Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Comme vous avez pu le constater dans mes différents vlogs, nous avons été faire quelques achats chez Primark et nous avons aussi craqué en brocante, je vous montre tout cela en images. Nous avons été contraintes de rester particulièrement raisonnables et oui, voyage en train oblige, il fallait réussir à tout remporter dans nos valises. Voici donc ma fille qui fait le modèle avec son nouveau pantalon de pyjama. Il est extrêmement doux. J'ai d'ailleurs moi aussi craqué et je m'en suis pris un exemplaire en taille médium. Excellente finition pour ces chaussons qui sont très confortables avec une semelle bien épaisse et moelleuse. Encore une jolie pièce avec de belles finitions, la taille élastiquée est très pratique pour les enfants. Ces petites culottes ont un effet peau de pêche, elles sont très douces et sans aucune couture. Ici, on a craqué sur les petites finitions en dentelle qui sont vraiment adorables pour cet été. Difficile de résister et de ne pas dévaliser tout le rayon des accessoires. Cette charlotte de douche trop mimi a remporté notre suffrage. Ultra pratique, girly à souhait, nous avons opté pour cette charlotte en microfibre qui permet de sécher très rapidement les cheveux. Petit short en jean ultra confortable pour cet été ou traîner à la maison avec une taille élastiquée là encore. Chez Primark, on a le souci du détail. J'ai particulièrement aimé la découpe latérale. Parce que des chaussettes et des bas, on en manque toujours à la maison. J'ai donc fait le plein. Beauté des formations professionnelles, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les masques unidoses qui y sont proposés et quelle ne fut pas ma surprise, la composition est vraiment bonne. Quand on a peu de place dans une valise, vers quoi se tourner? Mais les accessoires, voyons. Voici donc mes petites emplettes. Moi aussi, comme ma fille, j'ai craqué pour la serviette en microfibre, très pratique pour se sécher les cheveux rapidement. Nous avons eu le loisir de nous adonner à une de nos activités favorites, chiner. Voici toutes nos petites trouvailles.
Non, non, cette mallette girly n'est pas pour ma fille, mais bien pour moi. J'ai un DIY en projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous appréciez les hauls et que vous souhaiteriez que j'en refasse prochainement, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à me le spécifier en commentaire. À bientôt les câlinettes. Cliquez sur l'image pour accéder à la playlist de tous mes vlogs et abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Instagram, YouTube et bien entendu sur le site calibeauty.com.